Direction Haïti maintenant, un pays toujours secoué par la violence. Après ce terrible drame, pardon, trois journalistes ont été pris à partie, deux ont été tués à Fort-de-France, c'était jeudi dernier. Nous allons rejoindre en direct par téléphone notre confrère Marcellus Dorsinval. Bonsoir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir et bonsoir, chers téléspectateurs. Comme je viens de dire, Journaliste à Radio Kenya donc en Haïti. Qu'est-ce que l'on sait de ce qui s'est passé donc jeudi dernier? Deux journalistes ont été tués en plein centre de la capitale donc d'Haïti et un journaliste d'ailleurs qui a pu donc s'enfuir. Est-ce que on sait exactement ce qui s'est passé là-bas à Port-au-Prince? Certainement, et comme vous le savez, il y avait un ancien commissaire de police qui avait été abattu par des bandits et dans les zones La Boule, particulièrement à Pétionville, dans la commune de Pétionville. Et là, il y avait des journalistes, selon eux, qui aimeraient faire des constats pour pouvoir communiquer avec ces bandits-là, comme quoi elles aimeraient savoir. Ils ont bâti ce monsieur-là. Malheureusement, il y a deux journalistes qui sont tombés par des bandits et sauf l'un d'eux qui est testé.